pour capable montrer que la justification sous justification côté le sorti comment nous faire trouver comment monde capable justifier et ça fait que l'important dans maison de prière pour que nous capable faire revision ça pour nous capable parler un peu de la justification. Alors dans le chapitre que nous regardons, nous tournons regarder c'est dans le chapitre 4 là nous tournons regarder et puis nous regardons 8 premiers versets là pour nous capable voir qui ça que Paul a essayé dit là pour illustrer la justification par la foi et non par les œuvres. Là, on parle par les œuvres, on ne parle par action. Ça veut dire que la paix essaie de montrer que la justification, comment la justification est faite, et comment le monde est vraiment justifié, que c'est par la foi, c'est pas ça au fait qu'on est justifié. Mais c'est par la foi. Donc, ça nous dit justification en description. Est-ce que vous qui songez qui sa justification est? Lorsqu'on parle de justification, qu'est-ce que c'est que ça? Qui sa justification? Est-ce que vous êtes capable de rappeler nous qui sa justification est? Ok, venez jouer le garçon. Bon, je viens de nous l'église. Et concernant justification, vous l'avez dit. Déclarer la droiture de quelqu'un, ça veut dire que Christ, avec sacrifice de la croix, il déclare nous justes. C'est-à-dire nous pas condamnés encore, nous libérer de tout joug que la loi Moïse n'a pas de café pour nous. Ça veut dire, ça la loi Moïse n'a pas de café, c'est lui Christ fait avec sacrifice là. Ça veut dire nous pas esclaves, nous pas condamnés, nous justes. Très bien. Alors, travail qui rend nous juste là, il est fait par Christ. Si la capable est déclarée, accepter nous juste là, c'est l'Éternel, le grand Dieu Jéhovah, qui déclarait que nous juste parce qu'il est satisfait du travail que Christ fait. Mais ça, Paul a essayé de montrer là, c'est que. Et la PC a posé une question. Cette question qu'il a posée, il a montré nous quelle est la fondation. La fondation de la justification. Quelle est la base de la justification? Sur quoi la justification est-elle fondée? Quelle est la base? Ou du moins, quelle est la fondation de la justification? Quelle est la base ou quelle est la fondation de la justification? Et c'est la question et la discussion est. À ce moment, nous sommes capables de chercher ouais, qui base justification, qui fondation justification, ou bien sur quoi repose-t-elle, sur quoi la justification est-elle reposée. Donc, sur qui ça les baser, sur qui ça les baser, sur qui ça les reposer. Et ces arguments, ça n'a pas été fait dans le chapitre ça. Donc, et la parole est l'exemple d'Abraham. Et Abraham, c'est un bon exemple de la justification, puisque Abraham était avant la loi. Parce que les hommes qui ont fait la loi, c'est que Abraham était avant la loi. Or, c'est avant la loi qui n'a pas justifié le monde, eh bien, Abraham n'est pas capable de justifier, puisque Abraham n'est pas venu après la loi, Abraham n'est pas dans la loi. Donc, après pour la les arguments, vous pouvez dire que les personnages qui viennent avec Abraham est justifié. Est-ce que la loi était qu'à justifier Abraham? Puisque Abraham était avant la loi. Abraham, l'époque d'Abraham, c'était l'époque de grâce. Il était sous la loi. La loi n'a pas encore existé. La loi va venir combien centaines d'années après la loi va venir. Donc, 430 années, 400 combien d'années que la loi va venir. Donc, est-ce qu'il est possible que Abraham soit capable de justifier par la loi? Point du tout. Parce qu'il n'était pas question de loi au moment d'Abraham. Pas une question de la loi, la question au moment d'Abraham. Donc, Abraham est justifié. Donc, ça, automatiquement, des chrétiens qui ont une compréhension, vont dire bon,
puisque Abraham pas dans l'époque la loi, Abraham était là avant la loi, 400 combien l'année avant la loi, la loi vient, Abraham physiquement pas existé encore. Mais cependant, alors est-ce que nous sommes capables de dire Abraham est justifié par la loi? Non, pas du tout. Pas du tout. Et la loi n'était pas encore lorsque Abraham était existé. Donc, mais apôtre pour la paix râler argument de Abraham pour le capable de que Abraham fut justifié. Donc, si le fait que les cités seulement Abraham, ça a déjà montré que, eh bien, Abraham n'a pas qu'à justifier par les œuvres, parce que c'est pas la loi de Moïse, pas la loi, comme c'est en observant la loi, observant, en faisant ceci, en faisant cela, ou pas qu'à justifier, parce que Abraham, comme exemple, n'a pas été justifié par les œuvres. Est-ce que n'avec moi? Donc, c'est on a cherché la base de la fondation de la justification. Donc, c'est sous quelle base que nous sommes capables de dire que et justification en fait. Donc, si il y a une raison que pour aller pour dire comme ça que c'est pas les œuvres que ils ont capable de justifier, c'est parce que si c'est par les œuvres ils ont mon justifié, c'est comme si justice ça son justice que mon nom qu'a glorifié tête lui qu'a levé tête lui et qu'a levé tête lui, c'est un coup si vous êtes paraître dans la rue, il y a deux monde. Il y a un monde qui a acheté un bagage dans $20. Après ça, tant qu'il y a un monde qui a longé $2 par un. Il y a un monde qui a $10, c'est un monde qui a acheté un bagage pour $10, il a $20. Il remet les $10. Là, il remet mon nom $10, c'est il justifie mon nom. Mais justification, ça qui justification y est, son justification par les œuvres. Parce que monde ça a mérité. Est-ce que nous avons? Monde ça a gagné droit, il méritait $10 au Balia. Il méritait. Il devait 20 dollars, il remet les 10 dollars. Et il devait faire grand gorgé, grand palampile pour 50 gouttes là, m'acheter. Ou avec moi, 50 gouttes moins, c'est 50 gouttes moins que on te dépense. Dès que comme la prochaine, tu râles 20 dollars, mais bye, 50 gouttes moins. Il y a un monde qui va venir, dit monsieur, bon, 50 gouttes là, vous mettez dans le pochoir. Non, tu n'as pas le droit, parce que ça, c'est un cop que m'de, comme moi, m'de gagne, m'de bye, vous mettez mon monnaie, ça a lié au droit, mais sont dettes au droit, sont redevances. Donc ça, il remet mon ça comme là, son droit, son redevance, mon ça qui a levé tête lui. Ouais, c'est. Ouais, mais le scope qui est dans le chemin, la dame de pomme de bail là, mais lui. Glorifier le tête lui, parce que c'est des copes dans le chemin qui fait des joints de service dans le monde là. Avec un autre monde, il y a pas 50 gouttes, mais parce qu'il y a une nécessité. Il a besoin d'acheter un bagage, il n'a pas gagné, et pour ça, on va aller payer le bagage à la police, payer 50 gouttes à la police. Est-ce que c'est le même bagage? Deux mots qui justifient, mais justification, on ne peut pas dire même bagage. C'est ça que l'apôtre Paul a essayé pour capable montrer que la base de la justification de un chrétien, comment on peut mettre? Le monde qui fait là, ce n'est pas action, pas ça le posséder, pas ça le faire, ça sont justifications qu'on a capable d'orgueil, capable de monter mon nom, on est capable de sentir les tellement haut, vous comprenez, ça capable de pousser mon nom à monter dans le fait avec orgueil. Et justification, ça que nous, la palais de l'IA, donc c'est pas ça. Donc la base de la justification d'Abraham, on va aller au verset 3. Et la parole dit qui ça qui bat jusqu'à la voix? Non. Et donc, car que dit l'écriture?
Abraham crut à Dieu. Crut à Dieu. Quelle est la base de sa justification? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Donc, la base de la justification d'Abraham, c'est quoi? C'est la croyance en la foi en Dieu. La foi en Dieu. La foi en Dieu. Donc, la justification du chrétien a pour le fait par la foi en Dieu. Il n'y a pas qu'à faire par l'autre façon encore que seulement par la foi en Dieu. Et c'est ça qui va justifier, ça qui va positionner comme chrétien. Et c'est ça qui va où le salut. C'est comme ça qu'on gagne le salut seulement par la croyance en Dieu. Rien d'autre. Rien d'autre. Croyez. Et puis, on gagne le salut. Toute l'autre bataille, c'est accompagnement. C'est donc où son soupe qui fait un pile bagaille qui mettait aux agouts, un pile bagaille qui répétait accompagnement. Au bail goût. Mais ce n'est pas eux qui font ce plan. Ce n'est pas eux qui font ce plan. Bon Dieu béni. Bon Dieu béni. Non, est-ce que nous avons idée la base de la justification? La base du salut. Est-ce que ce n'est pas ça au fait? Je vois. Est-ce que c'est parce que vous l'église chaque dimanche qui sauve ou? Est-ce que c'est parce que ou fait du bien, on va manger qui sauve ou? Est-ce que c'est parce que, à cause de tout ça, on fait qui bien, est-ce que c'est ça qui va le salut? Non. Non. Ça, c'est accompagnement. Ça, c'est pas que on va faire parce que, ou déjà sauvé, parce qu'on est déjà sauvé, c'est devoir du chrétien que vous avez. Ou à faire parce qu'on est sauvé, mais pas faire pour sauver. Et ça fait que, si on monde qui a nécessité, ou pas l'on plat manger, papa lit comme si dit, m'baili, et peut-être Jésus a sauvé pour ça. Non, Jésus n'a pas sauvé pour plat manger au monde. Jésus est content parce que, ou est mon non nécessité, ou pas l'on plat manger. C'est devoir comme un chrétien. Donc, la base de la justification d'Abraham, c'était sa croyance en Dieu. La foi en Dieu. Comment ça travaille? Comment ça fait? Donc là, nous allons avec le mot imputation. Imputation. Terme imputation, c'est le plus pour nous capables de prendre à soi, pour nous capables de saisir, pour nous capables de comprendre. Et nous jouons dans la Bible parler de imputer. Imputation. Cela lui fut imputé. Et la justice. Donc, le verset 3, il dit. Que dit l'Écriture, Abraham a cru à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Imputation, là où je viens de mot imputation, mot grec pour mot ça, c'est logisomai. C'est ça, Moussa. C'est Moussa qui c'est un mot. L-O-G-I-Z-O-M-A-I. Moussa, c'est le qui traduit imputation en grec. Verbe là, c'est imputé. Qui ça veut dire imputé? Logisomai. Ça veut dire. Mais ça veut dire. Ça veut dire déposer, fonder pour sous contrat en l'autre monde. Vous comprenez? Faire un dépôt sous contrat en l'autre monde. Il y a un monde qui n'a pas gagné un corps, ou aller, ou faire un dépôt ou déposer corps sous compte. Compte était passif ou venir en actif. Nous n'avons pas de gain comme nous avons vu dans les gains. C'est faire un dépôt sous compte de l'autre. Donc le fait que Abraham croit dans mon Dieu accepte ça. Donc croyance Abraham fait que bon dépôt qui fait sous compte Abraham,
qui dit Abraham justifié. Le fait que moi, avec nous, croyons dans mon Dieu, ce qui s'accrivait, un dépôt qu'elle fait sous compte nous, un dépôt positif qui dit comme ça que moi, avec nous, justifié. Donc, imputation, c'est déposer sur le compte de quelqu'un d'autre. Font dépôt. Donc, l'Éternel fait un dépôt sous compte moi avec vous parce que nous avons la foi dans Jésus. Et ça fait, l'Éternel capable de faire dépôt ça, c'est parce que Jésus a accepté fait sacrifice là et nous-mêmes nous accepté sacrifice Jésus, nous croyons. Non, ça Jésus fait, nous croyons dans Jésus, et puis, on dépôt, on dépôt qu'on fait ce compte. Nous ne connaissons pas. Sous qu'on connaît la banque, sous qu'on habitue avec la banque, ou qu'on connaît, c'est vrai, connaît à gagner doit gagner 0 dollar là-dedans, il doit gagner 1 dollar, et puis, on monde passé, et puis, ils font dépôt sous connaît pour là. Ils déposent comme. Et puis, on met vous-même qui gagne comme sous connaît pour là. Mais c'est pas vous-même qui fait. Et pas vous-même qui t'a déposé comme ce canard qui fait canard avec corps. Cependant, comme qui dépose ce canard là, ou quand fait tirage là dedans parce que c'est ce canard pas c'est non pas ou justifié ou justifié. Ou gain corps. Ou gain corps sans c'est pas vous-même qui te mettre comme là. Sans c'est pas vous-même qui te travaille pour te mettre comme là. Sans c'est pas vous-même qui t'a la banque pour te mettre là. De déposer, de imputer, ou imputation qui fait en faveur. Terme non, terme théologique là, c'est imputation. Imputation. Donc, croyance, moi avec vous, la foi non à mon Dieu, font imputation pour nous. Songez, c'est imputation, imputer. Il va amputer, non? Parce que amputer son autre bagaille. Amputer, c'est où est ton jambe? Son autre mot, mais c'est imputation. Imputer. Imputer. Déposer sur votre compte. Donc, c'est ça la foi en Jésus fait pour nous. Jésus était qu'à mourir sur le bois du calvaire. Et si moi, pâté, gain la foi dans Jésus, eh bien, imputation, ça va être fait pour moi. Bagaye. C'est si que dépôt, ça va être fait sur le canet, n'importe qui monde. Gain plus de monde qui devra dépôt ça, dépôt spirituel ça, dépôt salut ça, il n'est pas fait sur n'importe quel canet. Il fait sur le canet qui est légitime. Quand il y a un max sans tomber sur lui. Bon Dieu béni, oui, bon Dieu béni, oui. Dépôt ça, imputation, il fait sur canet, mon qui a un max sans, quand il y a marqué avec le sang de Jésus. Et puis, quand dépôt fait sur lui, et puis Dieu déclare que, faut être une juste. Faut être une justifié. C'est une déclaration du tribunal, du grand juge. Qui déclare que tel monde est justifié. Tel monde pas condamné, est libéré, est sauvé, il gagne le salut. Et ça fait, moi avec vous, nous avons besoin sûr du salut. Nous avons besoin sûr, nous capables de croire que nous gagnons ça. Et nous capables de dire, par contre, si vous me sauvez, c'est les nains ou les nains quoi. Si vous ne pouvez pas vous sauver, moi-même, je connais que vous me sauvez. Parce que vous avez une imputation faite. Pour moi, nous avons un dépôt fait sur canem. Papa bon Dieu déposé sous canet. Yon faut accepter Jésus. Et bien, lui-même comme grand juge, ils font dépôt sous canet de dette la payer. Imputation. Imputation. Donc, vous justifiez. L'autre, vous justifiez la vie, vous sommes sauvés. Vous justifiez, vous sautez dans la pile là, ou de l'autre côté. Ou pas n'importe qui. Vous sommes qui sélectionnés. À cause du sacrifice de Christ. Donc c'est ça qui fait que l'apôtre voulait faire sûr que les Romains comprennent bien
que la justification parfaite n'est pas de gens. Ce n'est pas les œuvres, ce n'est pas la loi de Moïse, ce n'est pas observer la loi, observer les commandements, c'est capable qui sauve les gens, qui justifie les gens. Ça qui justifie les gens, c'est la foi en Jésus. Quand je crois en Jésus, je suis justifié, je suis sauvé. Je suis sauvé. Quand on fait connaître, ou sauvé, moi je connais parce que la parole de Dieu dit, si j'ai la foi en Jésus, moi je sauve. Moi sauvé. Oui, mais ou tout sauvé, mais on va continuer à faire péché et bagaille comme ça. Et ça, on dit là, pas qu'on bagaille comme ça, c'est que c'est ça fait Jésus. Il dit si je crois, moi sauvé. Et ça fait que depuis, si je voulais tomber péché, eh bien, Jésus quand il a comme avocat pour être capable de défendre moi, avant il va pécher pour être capable de dire, ça m'a payé pour lui déjà, m'a mourir pour lui déjà. Pardonnez. Le chapeau, le peuple nous bouchon dit, m'a dit pardon. J'ai dit, ok, c'est ok. La justification, la base de la justification, c'est la foi en Jésus-Christ. Et vous nous capables de comprendre, chrétien. Ce n'est pas dans combien de jeunes ont marché qui sauvent. Ce n'est pas qui quantité la prière ou la prière qui sauvent. La prière, vous avez besoin de la prière pour pouvoir mener le combat à la vie, pour pouvoir mener. Vous avez besoin d'aller dans le jeûne, d'aller dans la prière pour pouvoir continuer la vie sous terre. Mais quand on a le salut, c'est la foi en Jésus qui va le salut. Et c'est ça que fait. Vous avez un monde qui. Ou quand on est bien, le monde qui va sauver, parce que si le monde n'a pas fait Jésus toute confiance, il a n'importe quel bagage capable, il peut être capable de glisser, il peut être capable de bagarre, ou déjà qu'on est. Le monde va avoir la foi dans Jésus. En vrai, quand il fait mal, il a voué maman et voué papa et voué. On va avoir la foi dans Jésus. On a la foi. On va justifier. Pas justifié. Donc, la base de la justification d'Abraham, c'est pas de la loi, c'est pas de ça Abraham te fait mal, Abraham te agit bien devant mon Dieu en pile fois, mais Abraham te fait erreur tout. Abraham te fait erreur tout. Donc, il y a un monde qui sauve, ça va pas un monde qui sans erreur, ça va pas dire ça du tout. Il y a un monde qui dit quoi, pour un monde sauvé, il ne faut pas jamais erreur. Non, vous trompez. Vous comprenez? Se tromper est humain. Donc, au café, ouais, Abraham te fait erreur. Abraham fait erreur, menti, et pour un servant, la Kaili, il fait erreur. Mais cependant, il gagne la foi dans bon Dieu, et il est crampé, il gagne la foi dans bon Dieu. Bon Dieu béni. Donc, base justification, hein? C'est la foi en Jésus. Mot qui traduit imputation, qui c'est imputation qui veut dire dépôt qui fait sous compte en l'autre. Mot qui traduit lui, c'est logisomai. Logisomai. Ça veut dire que Dieu logisomai pour et puis ou justifier. Donc, la foi d'Abraham, eh bien, lui impute la justice. Donc, à cause de sa foi en Dieu, Dieu fait un dépôt de justice sur son compte. Dieu fait un dépôt de justice sur son compte. Et l'autre de voir ou bien mettre la foi dans mon Dieu, tout le monde mettre la foi dans mon Dieu, tout le monde a fait des pots sur compte. Ou qu'on compte cap grossi, ou qu'on compte cap enrichi, ou qu'on compte avec des fois, on nous a cap quoi, on a la foi dans mon Dieu, l'organe ou on a explosé, on a pris la vie là. A pas amélioré, on dit non, c'est des pots qui ont fait ce compte, la grande, l'organe côté mal, la sorte ou pas qu'on est. Qui j'ai fait ou pas qu'on est, parce qu'il y a des pots qui ont fait que j'ai pas à ouer.
Même lui, il y a parole. Quoi, dans mon Dieu, son richesse. Que l'on ne peut pas avoir vite comme ça. Mais il est là. Quoi, dans mon Dieu. Faut pas que je m'en. Puis, quoi, du bien, mon gagne, c'est quoi dans mon Dieu. Puis, quoi, richesse, c'est quoi dans mon Dieu. Puis, quoi, richesse, c'est richesse, ça n'est pas qu'à prendre dans même. Il n'y a pas qu'à prendre. Il n'y a pas qu'à perdre. Ça là. Ça là. Et c'est ça, Jésus a dit comme ça que. Pas peur, mon qui a tout le corps. Mais il n'y a pas qu'à tout le monde. Il n'y a pas qu'à tout le corps, il n'y a pas qu'à tout le monde. Quoi même, c'est bon, Dieu va y passer. Parce que le plus souvent, mon Dieu va y passer. Mon Dieu béni. La justification. À ce moment-là, vous avez besoin de vous qui justifiez. Ou sont qui sauvés. Ou sont qui sauvés. Cependant, l'apôtre Paul dit, faut que vous gérez ça lui. Lorsqu'il est sauvé, faut que vous gérez. Tant que vous êtes qui gagne, il y a 50 000 dollars. Tant que vous avez 50 000 dollars américains la même. Et puis, il t'a tombé dans mon pape en bas américain, 50 000 dollars ici. C'est quand tout le monde, 50 000 dollars ici, tombé dans mon là, comme ça, ou t'as dit, ou t'as dit au millionnaire, ou t'as couru tout partout. Dans tout pays, il y a dit tout grâce au bon, moi, il me saute à terre. Eh bien, oui. Mais un autre 50 000 dollars haïtien qui t'a tombé dans le même connu. Mais 50 000 dollars haïtien, ou qu'a riche pour toute la vie, mais qu'on sera tout, 50 000 dollars sont qu'a perdu l'un et clin d'œil. Sou pas gérer. Faut gérer. Faut qu'on gère. Faut qu'on gère. Me songer. On va travailler 35 dollars par mois. Mais 35 dollars par mois. Je réécoute parce que je me dis que je ne vais pas faire toute vie à travers moi. 35 dollars par mois. Et superviseur pour 35 dollars par mois. L'homme qui a mangé, grain-bois dans le jardin, il y a au sol, bien cocoé, bien quand tout ça qui est au cas manger, bon pour mettre la caille là, 35 dollars ça l'a fini, ou fait chier ou pas, couille dépenser. Alors pour qu'elle vienne faire richesse, c'est pas comme ça non? Ou pas qu'elle remette dépenser pour là, remette dépenser pour venir bien non? Il n'est pas possible. Pour résumer, vous soufflez en l'heure pour économiser, pour sortir pour la multiplier. Vous connaissez 35 dollars ça me gère. Les gens qui demandent de me prêter, je vais occuper. Mais c'est là où tu as fait, tu as déjà fait, tu as déjà fait des gars. Des fois, tu as fait des bagages, j'ai tout le monde sur lui. Ça me dit, c'est menti, à démenti. J'ai tout le monde sur lui. Ou pas fait, il n'y a pas de monde qui est. Mais mettons que je vous dis, je vous vends devant vos là. Et puis, toi, on commence à me dire, grand-père, grand-mère, cousine, depuis que tu es plein famille, ou plein famille. Je connais Chita, l'autre jour, Chita, quand il y a, dit, moi, comme ça, que, quand mon cap m'a demandé pour en bas, il dit, qui est-ce? Il dit, du coup, ça, c'est. Pita, Sarah, belle-mère, Pita, Sarah, belle-madame, papa. Comme si, pareil, comme si, on peut le temps pour comprendre ça, Abdimna. Moi, c'est un mystère, dis, fais vivre pour moi. Mais, bien, oui, bonjour, tonton Isaac. Que t'as mon neveu.
dans les villes, Peter en état, c'était cela, moi-même, de Saint-Domingue, de ceci, de cela, ou pas de reconnaître moi. Alors, tant de parler de vous, de forme, venez pour me connaître tout, ou pour même pour me connaître moi. Et bien, vous connaissez, vous commencez, oui, la vie va bon, de Saint-Domingue, vous allez tourner, les bagailles, il va bon, les bagailles, me fait même, les bagailles, comme si que. Ça veut dire que, mais écoutez, mon ami, cherchons tonton. Avec des petits bois font ces bagages ou famille à tout le monde. Tonton Isaac. Donc, mais faut qu'on batte pour capable économiser. Ça c'est une gestion, ça lui a mis là. Mais même si son ouvrier réussit, ou a touché 300, 400, 500 dollars, l'on pas touché rien ou t'es vive. C'est pour pas pour sauver un 200, 300 là-dedans, quand même, pour serrer, mettez un côté. Après 3, 4 mois, la font pile. Après 5, 6 mois, la font pile. Pour occuper le monde. Mettez un côté. Et commencez 1000 serrer, 2000 serrer, 3000 serrer, jusqu'à ce qu'on fasse un bagage important. Pas de dire trop petit. Vous connaissez un monde qui. Là où je donne un job 500 dollars, t'as un côté à finir classe ou. T'as un job 500, il s'en va mettre. Puis dit, ça va faire ça. Mais fais quoi, même. Tu comprends les mains dans un filet, sous siraché, qui, après tout ça, ton petit piment au jambalais. Et puis, où sous ta région, où prends-tu job là, on commence à faire. Et puis, après, vous voyez, moi, où est-ce pas, petite, comment est-ce là? Peut-être que 100 dollars là, non? Ben, ça a été tout qui est ton petit, là. Et qu'on s'en l'homme. Et puis, il faut gérer son bien. Ça y a géré. Mais 35 dollars, je l'ai géré. Je m'ai acheté pistache. Je m'ai acheté maï. Je m'ai acheté poinec. Je m'ai acheté séron. Je me suis sorti. Je me suis 17 ans. Je me suis sorti. Je me dis, papa, je vais aller me louer quand même. Je me prends une position comme ça. Je me louer quand même. Parce que là, papa, je vais même économiser. Parce que belle-mère n'a pas quitté le corps de mon petit monde, il n'a pas quitté le corps de mon petit monde. Au cas de belle-mère, 20 coco, il a fait une marche, il dit, mais là, elle a venu pour vous. Là, il vient avec votre douce, il dit, mais là, j'ai un coco hier. Est-ce qu'il n'a pas pris un coco, il n'a pas fait un pile douce. Il faut un petit douce, 5 coco, avant ça, il finit, il satisfait. Donc, comment c'est qu'il est suivi? Nous, le cas, nous, des chants, m'acheter ses roues. Mais tout ça, il y a 24 hier. Achetez-vous. Sans acheter 10 gouttes, quand on a autant de l'air, 20 gouttes ou 20 gouttes. Comme vous doublez. Votre pile ton envie, moi. Comme ça, vous suivez. Donc, pour la vie, même, vous avez besoin de faire ça, vous avez besoin d'économiser. Mais c'est même chose pour la vie spirituelle, vous avez besoin de faire ce que vous économisez. Ou gérer sa lueur. Il faut veiller de temps en temps. Pas la gueule de l'autre côté. Jésus a justifié les gens. Ou même, il faut qu'on batte pour capable de faire mes justifications. Bon Dieu béni, oui. Imputation. Donc, mon qui va, et on ne l'a pas fait, œuvre. Mais les quoi, non, si la cap justifié, et puis les justifié. Mon ça a sauvé sans couronne. Mais ça lui a, c'est dans la croyance, c'est dans la foi liée. Bon Dieu béni. Gagne mon pas sans ouvrir le côté, parce que tellement coco, tellement chiche. Il y a un petit doux qui est, qui a passé sous, pas besoin de nous, ou pas besoin de goût en lui-même. Doux qui est. Il est tellement mal qu'il met tout le bagage pour vous. Et ma petite nous bagage. Mon cap qui met tout le bagage pour vous, il faut qu'on fasse économie, mais il ne faut pas qu'il met tout le bagage pour vous. On le faut lâcher. Il faut qu'on fasse économie, par la guerre, il est tout.
la journée, dans une semaine, on va décider combien on va faire cadeau, ma belle. Mais quand ça va te faire cadeau, fini, tu mets de n'importe qui monte jeune avec moi, moi je me dis pas gagné. Ou mettre tout et moi attendre l'autre semaine quand elle commence encore, mais pour semaine ça va pas taper. C'est top, c'est fini. Faut me discipliner. Et si moi ou son nom est ouye, pas gagné qui ou pas casse ou rien, je vais le gaspiller ça vient en haut. C'est ma gado. Bon Dieu, nous bénis. Bon Dieu, nous bénis. Alors, bon verset qui parle là. Alors, on a continué dans Javelin. Il dit, or, verset 4, or à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Moun qui fait une œuvre, c'est ça que je parlais tout à l'heure. Il y a un monde qui fait une œuvre, et bien la paix joue un salaire, li, et bien il est imputé, salaire à les sous-comptes, li, mais ce n'est pas pour tout, c'est qu'on a une grâce, mais c'est un bagage que vous êtes doué, vous êtes doué. À celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Et ça, je vous disais tout à l'heure. Donc, quand on a un monde qui part, et ça fait dans des moments où il y a un monde qui a sauvé, il y a un monde qui a sauvé à travers le feu, il y a un monde qui a fait un monde qui a fait un papier, il vient, il croit dans le Seigneur Jésus, et puis ça va le salut. Mais il est sauvé sans couronne, son monde qui est tout blanche. Alors, il n'y a pas beaucoup comme ça, mais il est capable de gagner le salut. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. David a exprimé ça. Quand il dit que bon Dieu déposait la justice sous compte sans c'est pas pour œuvres. Sans c'est pas œuvres qui cause. C'est la foi dans mon Dieu, croyance dans mon Dieu. Il dit heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux, David a dit ça. Mais quand on parle de ça, heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Alors, ça capable de dire, difficile pour nous de comprendre. Alors, bon Dieu, imputez la grâce, l'imputez, mettez sous compte la justice. Mais c'était péché, putain, multiplié, déposer sous contour ou de périr ou d'annuler. Donc, heureux le monde que mon Dieu pas déposer péché pour lui, pour péché lui, déposer sous compte lui. Donc, heureux le monde que mon Dieu pardonne le péché, lui pardonne le péché et lui va aux justice. Donc, ça qui fait nous juste. Normalement, nous avons un niveau d'intelligence pour nous ouvrir tête, nous ouvrir l'intelligence pour nous capables de comprendre et accepter. Accepter le travail Christ à la croix. Accepter, mettre la foi dans mon Dieu. Bon Dieu, même les gens qui mettent la foi dans les empires, nous avons dit ça d'expérience, l'expérience que nous faisons avec mon Dieu. Bon Dieu, même ça en pile, bon Dieu, fait grâce. Bon Dieu, fait grâce en pile. Donc, croyez dans mon Dieu. Vous connaissez, nous sommes dans la vaudou. Nous avons une raison qui peut être fait nous pas faire croire dans mon Dieu, parce que puisque nous parlons bon Dieu visiblement, et dans la vaudou, comme s'il paraît plus visible devant nous, nous écoutons dans ces lois, nous avons plus croire. Nous avons plus raison, nous avons plus famille en nous. C'est dans ça que tu crois, puis le fond bien, c'est dans ça que tu as parlé, nous ne pouvons pas tourner. Nous n'avons plus de raison que tu as fait nous douter pour nous ne pas croire. Mais en vérité, nous avons choisi, nous disons ça que nous ne pouvons pas croire dans mon Dieu, depuis de tout bagaille, ou rejeter tout bagaille. Et c'est ça qui. C'est ça, là, nous avons tourné dans Ézéchias.
Pasteur Jean de l'Escalade, je virai. Et ce virement, ça, oui. Virage, ça veut dire que moi, je baille tout le bagaille d'eau, je baille l'éternel face. Un point et c'est tout. Ça veut dire, ça, on prend le message là-dedans. Je baille l'éternel face. À tout ça, c'est la foi. Monsieur de Guéna, bon Dieu. Et puis ça, imputer la justice. Bon Dieu fait le revivre encore. Virer. Malgré nous sommes sortis dans le hangar, nous sommes sortis, nous sommes habitués, nous sommes habitués, nous parlons de nous, c'est là, nous relevé, nous faisons comprendre que, bah, il y a une fois où là, mon pas fin, quoi, parce qu'on va finir. Ou en veut, ou mettre là, il y a tout le même dans mon Dieu, là, ou mettre là, à gauche dans mon Dieu. Je fais, moi-même, je calcule, je suis sorti dans la chute, mais je n'ai pas de raison que tu as fait vivre là, tu as vivant là. Il faut vraiment me dire, qui raison que tu as fait vivre là, si ce n'est pas seulement la grâce de Dieu. On ne peut pas vivre, on ne peut pas reconnaître. On ne peut pas reconnaître. On ne peut pas reconnaître, seulement la grâce de Dieu. Et pour que nous passions, premièrement, mon guide a couché dans le lugar où il était. Avec table de manger. Deuxièmement, je vais grandir. Je vais faire avec eux. Je vais faire avec eux. Je vais avec eux. Je avec eux. L'homme qui a un bon esprit. Depuis que je connais qui a un lugar, je vais me faire fouiller maintenant. Comme si. Je ne vais pas aller là encore. Mais bon Dieu, préservez-moi. Bon, monsieur, je vais être avec lui. Chaque jour, je vais calculer. Comment on fait là? Nègla va jouer. Nègla, c'est plus. La plaque est jeune garçon à terre. Et puis, il y a un petit lit qui est au. Non, soirée, on dit que tu as couché à Montenegro. Et puis, ouais. Non, si dame a écrit, il écrit non, non, là, oui, il dit, un tel couché avec un tel hier soir. Mais par contre, il dit, écrit, tu as semblé avec l'écriture. Quand il a fait, il a ciblé. Même le professeur Soron de Guen là, il était dans le complot à tout. Parce que l'élevé, il dit, écrit, tu as écrit, tu as Isaac quand même. Il connaît que tu me dis, non, c'est pas moi-même. Non, c'était moi-même, d'abord, non, c'était moi. C'est pas moi. Je ne sais pas couché, je ne sais pas où tu es couché. Je ne sais pas où tu es levé. Je ne sais pas si tu es couché, si tu pas couché. Et puis, il y a un tête avec moi. Je suis passé, et puis ça, j'ai gardé moi. Alors, quand je te dis, moi, j'ai gardé moi. Je dis, ou chaud. Oh, fouette! Et puis, depuis que tu as entendu ça, on est monté à garder l'anger. Et puis, on a déjà mangé sur Mouché longtemps. Malin, baba Mouché. Je dis, hey! Je dis, tu vas tout manger, mon Dieu, même manger, tu vas manger. Je vais sortir là, je ne vais pas manger. Mouché a voulu rentrer dans Mouché à Mouché. Même tout, ton chou, avec la lèvre, ton chou, vous voulez. Avec ça, je fais bac. Je fais bac, je vais marcher sur lui. Tout petit comme ça. Nous sommes fait battre ma marche sur lui. Comme si l'infini